Yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui on est dans une ambiance plutôt sombre. You know what I mean. You don't know what I mean. C'est bon, j'y vais. Attends. On est aujourd'hui sur un vrai jeu d'horreur, Maher When Light Dies. Et autant vous dire que cette fois c'est pas de la fumée qu'il va falloir chasser avec de l'eau bénite. Bon, c'est sur le point de commencer. Ah. Je lance la génération de l'univers. Super. Okay. On va tout vous expliquer, mais surtout ne retirez jamais votre casque de réalité virtuelle. Ça veut dire tu vas te chier dessus, mais surtout ne retire pas le casque, sinon c'est pas drôle. Je comprends pas, le générateur est en ligne. Oh my god. Ok, wow. Ok. Wouah! On a vu Pinocchio sur le chemin, y'a pas de problème. Ok, nous y voilà. Bon bah c'est parfait. Maher, vivez vos rêves. Construisez avec nous le futur. Nanana. Bon, le futur déjà n'est sûrement pas dans un endroit où y'a un couteau et du sang sur une table, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Une boîte. Ok, donc c'est cet homme qui est entouré en rouge. Avançons. Hein? Alors déjà je ne te permets pas. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? On est une sorte de créature qui est assise en position fœtale sur une femme. C'est Nawak. Allô, messieurs, où êtes-vous? On a eu un problème. Wow, mon phare, putain. Stop. Oh putain. Ah, mais le mec il gueule quoi. Il dit pas, excusez-moi, on a eu un problème. Il fait, on a eu un problème. Oh, on est au point de départ. Ça suffit. Ah, bientôt. Il semblerait qu'il y ait une autre chaise quelque part. Ok, essayez de rejoindre l'autre chaise de transfert. Bah oui, j'avais compris. Merci pour le troll, hein. Comme par hasard, la pièce disparaît, comme par magie. C'est scandaleux. Et c'est quoi cet endroit chelou là où on est? Là, on est dans un hôtel. Hein. Oh putain! Wow! Oh putain! Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu veux que je te refasse la coupe, c'est ça? Allez, hop, allez, tu t'en vas! Plus jamais ça, hein? Hein, Charlie? Hein? Et tu changeras tes chaussures aussi dans la foulée. Très bien, il y a une table en plein milieu d'un couloir. Quel est l'architecte qui a fait ça, quoi? Ça a aucun sens. What? Qu'est-ce que cette table fait rentrer dans le mur? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais arrête, putain! Arrête! Ah, je sais que toi aussi ça t'intrigue. Il y a quelque chose de bizarre par son rêve. Quoi, il y a quelque chose de bizarre? Il y a rien de bizarre, il y a juste Charlie, hein. Charlie me protège. Si vous retirez Charlie, je vais mourir. Toi aussi tu comprends pas pourquoi? Pourquoi cette table est incrustée dans le mur, hein? Dis-moi la réponse, Charlie. Tu m'entends, Charlie? J'aimerais bien te secouer là. Mais va te couper les cheveux, non vraiment, Charlie. Ok, donc là on arrive dans la pièce la plus glauque. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors 2 plus 2 est égal à... Oui? Oui, Charlie? Oui, tu lèves la main? Non? Tant pis. Ok, comment ça se passe ici? Salut. Mais dites pas qu'on va devoir mettre notre tête dans ce truc un jour. Je veux... Ah, de chaises de merde. Le mange-lumière. Quoi? Il est devant ou derrière? C'est quoi mange-lumière? Oh. Mais putain, Charlie. Mais je m'y ferai jamais. Je sens sa petite présence là. Il me frotte le dos avec ses petits doigts fins d'enfant de 8 ans et demi là. Comment j'ouvre cette... Bon, s'il te plaît, porte. S'il te plaît. Charlie, ouvre la porte. Allez, on se casse. C'était Nawak, ça servait à rien cet endroit. Putain d'imposture là, ils te font passer, regardez ça, un peu rien, cette salle méga glauque là, hein. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh ben on n'en sait rien. Bon, apparemment il y a un mange lumière, ça tombe bien, je ne suis pas une lumière, donc il ne pourra pas manger. Ah là là. Heureusement que je fais des bonnes blagues qui remontent le... Alors ça c'est l'horloge qu'il y avait chez ma grand-mère et qui m'empêchait de dormir. Bonjour. Ah, ah ben ça va. Utiliser des enfants. Charlie. Eh, tu vas te prendre un high kick avant la fin de la vidéo. Non mais je préfère te le dire, hein, entre nous. Fais le malin. Ta gueule, tu me bats pas sur ce ton. Mais tu peux pas servir à quelque chose, putain de Charlie de merde. Oh, une écriture. Salle à manger. Allez, le repas. Très bien, j'ai tout compris ce que tu m'as dit. C'était un détail très important. Encore une flèche. C'est ça la salle à manger? Hein? Alors, attends, y'a... Alors, qui fait ce bruit? Est-ce que c'est cette viande ou est-ce que c'est ce... J'ai peur. Oh, mange lumière! Ta gueule! Allez, la viande, tapez-le! Putain de merde! Oh, mais qu'est-ce qui te prend, toi? C'est ça ton travail dans la vie, hein? Être accroché à une chaîne et crier dès que quelqu'un passe? Non! C'est pas comme ça que ça marche, putain! T'as la texture d'une viande, t'as un gros problème! Un très gros problème! Putain de bordel! Y'a quoi au final? Elle est où cette salle à manger, bordel? Mais non, mais c'est une blague! Tu me la refais pas! Y a une viande plus périmée que les autres? C'est quoi ça? Une viande qui s'est incrustée par là? Je veux plus aller dans la salle à manger! Non! Non, je t'entends pas! Alors ferme ta gueule! Salut, ça va? Comment allez-vous, chaise? Hein? Ah, toi t'es pas une chaise, tu t'es un peu incrusté. T'as pas trop d'amis, bon ça peut se comprendre. Ok, c'est le dortoir. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se couche? Hein? Ou est-ce qu'on joue au vélo? Alors, c'est un jouet ou c'est un vrai vélo? Parce que si c'est un vrai vélo, où sont les nains? Hein? Où sont les nains? Eh, Charlie, il m'énerve à me larguer, quoi. Maintenant, j'ai plus peur quand il est pas là que quand il est... Non, c'est interdit de chanter, c'est interdit de chanter. Tu vois ce panneau là?
Voilà, tu le vois maintenant? Qui chante? Qui chante? Mais qui chante, bordel? Non, je t'entends pas. Qui chante comme un gros con? Il y avait un gosse qui chantait. Il est où? Il est sous un lit? Qui chante? Qui chante? Est-ce que c'est toi? Jeune casquette? Il arrête de chanter, putain. Fais du mini-vélo, mets-toi dans un casier. Je sais pas, moi. Rechaise. Je suis désolé, j'étais AFK, là, j'étais parti... parti voir... Bon, ça vous intéresse pas. J'ai compris, c'est bon. Le mange-lumière. Eh ben, mais... Oh, t'arrêtes quand ces excursions nocturnes? Couche-toi, au lit. Ça, alors ça, c'est mignon, ça. Est-ce que c'est ça ta maison, Charlie? Charlie, c'est ça ton lit? Shoot dans Charlie. Shoot dans Charlie. Oh, non. Non, y'a pas de mange-lumière. Ah, j'entends des bruits pas très rassurants. Non, y'a pas de mange-lumière ici. Le mange-lumière, il mange les lumières. Allez. Allez, Charlie, viens, viens. Hop. Ah non, Charlie, il vient pas. Charlie, je peux pas t'abandonner, mais tu me comprends. T'es dans un endroit de merde. T'as pas d'amis, hein. Ta seule amie est accrochée à une chaîne. Là-bas, y'a une super discothèque. Comprends-moi. Allez, mon petit bout. Allez, allez. Si je t'offre des nouvelles sandales, est-ce que tu souffriras moins? Dis-moi. Allez, à plus. Ok, la discothèque, c'est par où? J'entends la musique. Ah, c'est bon, le DJ a fermé sa gueule. Ouais. Ramenez-moi. Donc eux, ils ont Windows 98, hein. La barre de chargement qui met juste 10 000 ans. C'est très épileptique, là, ce qui se passe actuellement, hein. Oh, mon gars. Ouh. Le mange-lumière, il ressemble à rien, le mange-lumière. On y a un mec emballé dans du sopalin. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Non, pas de screamer. Ah, ils sont mignons, il n'y a pas eu de screamer, hein. Allez. Cordialement, là, voilà, avec le stress, j'ai raté ma blague de fin. Ciao tout le monde, peace!